Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue donc dans cet épisode 17 de Au coin du DVD. Dans cet épisode, on change de lettre. On passe donc dans les H. Et alors là, les H, j'en ai une belle tripotée aussi, hein. Et les H, j'ai de tout. J'ai Heure, qui est un immense film. Je ne peux que vous le conseiller de le regarder, mais je suis sûr que les trois quarts d'entre vous l'ont déjà vu. J'ai des Perlouses qui me font délirer, genre Hardcore Henry, Hypertension, Hacker, qui est un excellent film, malheureusement très sous-coté de Michael Mann. Il y a beaucoup de films dans les 3H et j'ai eu envie de vous en conseiller un qui est complètement passé inaperçu en France lorsqu'il est sorti. Un film qui a été sorti par l'un de mes distributeurs préférés qui s'appelle The Jokers et qui malheureusement en France n'a pas trouvé son public. Mais à l'époque, je me rappelle, j'ai eu tout de même l'occasion de vous le faire découvrir sur la chaîne au travers d'une chronique et donc c'est pour ça que j'en rajoute une toute petite couche vu que depuis j'ai quand même pas mal grossi. Il s'agit donc de Yena, réalisé par Gerhard Johnson. Yena, l'histoire, elle est hyper simple, c'est celle d'un flic, un peu corrompu et alcoolique, qui voit dans sa ville de Londres débarquer des gangsters d'Albanie. Et je vais me limiter simplement à ça, parce que c'est juste un délire, en gros, c'est vraiment une histoire de flic corrompu qui va se retrouver à devoir chercher une forme de rédemption pour pouvoir ramener dans les rues de Londres une certaine forme de paix et surtout redevenir le roi qu'il était avant. Et ce film est visuellement splendide. C'est une œuvre qui m'a totalement captivé lorsque je l'ai vue, parce que pour le coup, la première fois que je l'ai vue, je me suis vraiment dit, bon, on va voir ce que ça a donné, je ne sais rien de ce film, l'affiche a l'air d'être pas mal, j'ai vaguement écouté 2-3 morceaux de la bande originale, et la bande originale est sublime, mais du coup, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne sais pas si ça va être un film qui va me conquérir dans son ambiance, ou si c'est juste un délire qui peut-être va être un peu limité sur les bords. C'est pas un délire qui est juste limité sur les bords. Il y a plein de gens qui le comparaient à Pusher lorsqu'il est sorti. Gerhard Johnson doit être hyper fan de Pusher parce qu'il y a vraiment une veine à la Nicolas Winding Refn dans le traitement de la violence et dans la manière avec laquelle il traite ses personnages qui est captivante. Je sais pas ce qu'il a réussi à faire ce cinéaste, mais il a réussi en seulement quelques plans. L'introduction du film, par ailleurs, est l'une des introductions les plus haletantes que j'ai vues depuis très longtemps. Quasiment tournée en plan séquence, qui montre une attaque dans un hangar où le personnage principal se retrouve complètement malmené. Je trouve cette séquence splendide. Elle est maîtrisée de bout en bout et surtout, tu as littéralement des plans hyper symboliques. Des plans qui vont te marquer et dans lesquels tu vas te dire waouh, mais c'est splendide. Le travail autour de la lumière bleue est fantastique tout du long du métrage. Le travail autour du gore te glace les chines tellement il est bien traité, tellement on sent que le cinéaste il a voulu amener le plus de réalisme possible, tout en ayant une petite pointe d'outrance qui fait que du coup tu es captivé et en même temps choqué par la violence qui se met en place devant toi. C'est pas juste un film de flic comme il y en a 10, 15 ou 20. C'est un film de flic qui arrive parfaitement à cristalliser une ambiance, à la retranscrire à l'écran. Par la bande originale, par les cadres, par les jeux des acteurs qui sont tous absolument fantastiques, mais vraiment fantastiques. Je trouve que tout ce casting est puissant. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que dans cette œuvre, il y a tout ce qui fait la force d'un excellent long métrage. Le film a reçu plein de prix lorsqu'il est sorti. Et j'ai jamais compris pourquoi, d'ailleurs, il n'a pas réussi à percer plus que ça dans les salles de cinéma. Comme si ça devait être une évidence que le film devait se planter. Et c'était aussi, il faut se remettre dans le contexte, 2015, c'était pas forcément une grosse période pour The Jokers. Ils arrivaient à sortir des films, ils arrivaient à s'imposer auprès d'un certain marché, mais ils avaient encore besoin de l'aide soit du Pacte, soit de Wild Bunch, soit d'autres boîtes pour arriver à percer. Ce qui fait qu'il y a certains de leurs films de cette période-là qui sont des morceaux de cinéma en barre, qui n'ont pas réussi à trouver leur chemin en salle de cinéma parce que ça manquait de visibilité. Ça n'arrivait pas à les conquérir, ça n'arrivait pas à bien marquer les spectateurs. Heureusement, aujourd'hui, on a quand même des salles d'art et d'essai qui sont beaucoup plus ouvertes et qui acceptent beaucoup plus ce genre de métrage. Yéna, il sortirait aujourd'hui, franchement, il trouverait facilement son chemin dans les salles de cinéma. Je pense même chez Pathé et Gaumont, par exemple, qui ont des fois tendance à prendre des films de genre un petit peu barrés. Ça se pourrait qu'il trouve son public là-bas. Mais à l'époque où il est sorti, malheureusement, le film s'est peut-être pas pris une rouste, mais je crois a fait même pas 100 000 entrées en France. Ce qui me fait de la peine parce que le film valait largement le coup d'œil. Il valait largement le coup de marquer. Mais je sais pas, est-ce que c'est un contexte? Est-ce que c'est un manque de visibilité? Est-ce que c'est juste un manque d'ambition de la part de The Jokers à l'époque? Je sais pas. En tout cas, je trouve juste ça triste que ce genre de film qui ait une super ambiance et un vrai style, un cachet, une esthétique, un côté très planant en plus, le film, par le biais de sa bande originale, a tendance à amener une espèce de
de côté très hypnotique dans la mise en scène qui fait que on se sent totalement possédé par le cadre. C'est comme s'il nous regardait droit dans les yeux et constamment il nous disait « Regarde-moi, tout est beau ici, tout est réconfortant, tu devrais rester avec moi. Regarde cette lumière bleue comme elle est accueillante. » Et derrière, bam, un bon gros coup de violence. Ce qui fait que du coup, tu te sens amadoué. Et c'est ça en fait que je trouve être le plus fort dans la mise en scène de Gerard Johnson. C'est que là où il y a beaucoup de metteurs en scène qui ont du mal à amener le côté hypnotique, captivant et presque enivrant de la mise en scène, lui, il y arrive en très peu de cadres. Comme pour nous rappeler que la mise en scène, c'est le meilleur outil pour faire en sorte que le cinéma devienne bien plus qu'un simple jeu entre le spectateur et un réalisateur. Ça devient littéralement un travail de manipulation sur qu'est-ce que le cadre peut amener pour ensuite marteler le spectateur. C'est peut-être ce que je trouve être plus fort dans Yéna. Cette violence qui arrive petit à petit au milieu du cadre au moment où tu t'y attends pas. Et c'est ce qui fait que vraiment j'ai envie de vous conseiller de découvrir ou de redécouvrir Yéna de Gerard Johnson parce que pour le coup, c'est un film qui s'est fait malheureusement snobé lorsqu'il est sorti et qu'aujourd'hui vous avez l'occasion de réhabiliter. Donc réhabilitez-le, très sincèrement. Et bien voilà, nous avons terminé avec cet épisode 17 de Coin du DVD. Encore une fois, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quand vous aurez vu le film, ce que vous en avez pensé. Et je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois désormais ici. Il y a bien des secrets qui se cachent dans une jaquette de DVD.